ตลาบัญชีในองค์จุมเรียตลากากัมพูในองค์จุมเรียสมัยนงตลากากัมพูชีส้มอ่านบัตรบัญชีใต้ขนงกรุบกรองซาลซาวนากาขนงไงซาวนากาสาธารณประกาศสาริกาสถาปกนงสำนวนส่วนส่วนมวยโดยต่อเติมตระรีชินาจักรกัมพูชีจิตศาสนาพระมหากษัตริย์องค์จุมเรียวิสมัยนงตลากากัมพูชีออฟแคมโบเดีย Extraordinary chambers in the Court of Cambodia, Supreme Court Chamber, number 95ECCC/SC, Internal Regulations governing the courtroom on public hearing day, pronouncing the final appeal judgment in case 001. In order to ensure the public order, security, afin d'assurer l'ordre public, effective functioning la sécurité of the during the et le bon déroulement des audiences lorsque la Chambre de la Cour suprême in case 001, the president of the Supreme Court chamber le président has established de la Chambre a établi the following les internal regulations governing the courtroom on the public hearing day. Pour 1. All persons who wish to attend a hearing shall be present in the courtroom of the extraordinary chambers in the courts of Cambodia, ECCC, by 9:30 a.m. in the morning. 2. Participants and persons in the public gallery shall stand when the greffier announces stand and sit when the president of the Supreme Court chamber announces sit down. 3. Participants shall maintain dignified and proper behavior in the courtroom et correctement en toutes circonstances dans la salle d'audience. Participants shall wear appropriate une clothing. Tenue appropriée est exigée. Their clothing may not display slogans et proscrit. Indicate their support for a party un quelconque of the proceedings indiquant or un be otherwise à l'une offensive des in any way. À la procédure. Banners and posters will not be permitted tout in the courtroom. Choquant de quelque façon que ce soit. 4. Les banderoles et les panneaux sont interdits dans la salle d'audience. Les appareils photos, caméras, magnétophones et haut-parleurs sont interdits dans la salle d'audience, sauf autorisation du président de la Chambre de la Cour suprême. 5. Il est interdit de fumer ou d'apporter de la nourriture ou des boissons dans la salle d'audience. 6. Toutes armes, munitions, substances inflammables ou tout explosif sont interdits dans la salle d'audience, sauf pour les agents de sécurité habilités des CETC. 7. The use of cell phones is strictly prohibited. L'usage des téléphones portables est phone strictement interdit. And phone audio recordings are also prohibited. Cette interdiction vise également la prise d'images ou de son à l'aide de téléphones, sauf autorisation du président de la Chambre de la Cour suprême. 8. All persons are prohibited 8. From changing seats Il est interdit or walking de changer de place ou de déambuler dans la salle d'audience. 9. All persons are prohibited from clapping, cheering, shouting, or making loud noises de crier that ou de faire du bruit susceptible de perturber hearing. La séance. 10. 10. Permission must be granted by an ECCC La permission d'un agent de sécurité habilité des CETC doit être obtenue avant d'entrer dans la salle d'audience ou d'en sortir. 11. Children under 16 years 11. Of age are prohibited L'accès à la salle d'audience est interdit aux enfants de moins de 16 ans. Persons between 16 and 18 years of age may enter the courtroom doivent être accompagnés if they are accompanied by a parent légal. Or legal guardian Sauf unless they are si elles attending sont the public hearing civil. As civil parties. 12. 12. Pursuant to the internal rules of the ECCC en vertu du règlement and the applicable CETC laws of the Kingdom et des lois of Cambodia, du Cambodge, the president, le président of the de la Chambre Supreme Court chamber may take preventative measures peut prendre or des mesures de prévention against any des mesures directes à l'encontre de toute personne qui enfreint les présentes règles. Phnom Penh, 1 février 2012. President of the Supreme Court Chamber, le président de la Chambre de la Cour suprême. Greffier, stand. Veuillez vous lever.
President, sit down. Le président, veuillez vous asseoir. Tang Liem Prachia Rikmai, Tang Liem Angkar Thapachichit. On behalf of the Cambodian people and the United Nations, au nom du peuple cambodgien et de la nation, the 3rd of February 2012, le 3 février 2012, the Supreme Court Chamber, la chambre of the ECCC, de la Cour suprême des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, a hearing, tiens, pronouncing the final judgment in case 001, dated 18/07/2007, ECCC /SC, where the accused is Kaing Guek Eav, alias Duch. Kaing Guek Eav, alias Duch. The accused, the prosecution, and the civil parties grouped 1, 2, and 3 les parties civiles, groupe 1, appealed 2 et against 3, the judgment dated 26 appel July 2010 du 26 of the trial chamber de la chambre de première instance, which convicted the accused Kaing Guek Eav alias Duch coupable, l'accusé for crimes against humanity alias Duch pour crime contre l'humanité, political persecution and grave breaches of the Geneva Convention des conventions de Genève of 1949. The crimes stipulated in the law on the establishment of the ECCC sur la création for his des commission of crimes in Phnom Penh and throughout the territory of Cambodia et sur le between du Cambodge, 17 April 1975 to the 6th of January 1979. Greffier, could you report the attendance le greffier, of the peut-il faire rapport parties? Sur la présence des parties? Mr. President, Your Honours, all parties are present. Madame, Messieurs les juges, toutes les parties sont présentes. Security guards, you are instructed garde de sécurité, to bring the accused Kaing Guek Eav to the dock. Accusé Kaing Guek Eav au box. I would like to clarify that at this juncture, the Supreme Court chamber will only pronounce a summary of the appeal judgment and the findings and the disposition. Les constatations et le dispositif. Summary of appeal judgment. Case filed, résumé 001, dossier numéro 001, date 07 2007, juillet 2007, ECCC, ECCC, Kaing Guek Eav, SC, date Kaing Guek Eav, 3 février 2012, 3 février 2012, introduction. A. 1. Introduction. The following is a summary of the Supreme Court chamber's le texte findings qui suit le résumé in its appeal judgment adopté par la chambre de la Cour suprême dans son arrêt dans le dossier numéro 001. The authoritative account of le texte those des conclusions faisant foi est celui in the written de l'arrêt appeal écrit. Judgment. Khmer and English versions of the les appeal judgment seront disponibles will ultérieurement, be made available d'abord in due dans ses versions en Khmer et en anglais, puis and dans sa traduction French en translation français. Will be available in due course thereafter. 2. The trial chamber Deux. Issued its judgment la chambre de on 26 première instance July 2010. A rendu son jugement le 26 juillet 2010. The filing of written appeal submissions le délai de dépôt des écritures en appel March 2011, expiré le 25 mars 2011
And an appeal hearing was held et les audiences d'appel se sont tenues du 28 au 30 mars 2011. The duration of these appeal proceedings la durée de la procédure d'appel et la longueur de l'arrêt reflect the historic nature of this case, rendent compte de la nature historique the first before de la présente the ECCC, affaire, la première à être portée devant and le CETC, the novelty and complexity of the la legal nouveauté issues et de la complexité in the ground des questions de droit appeal. Posées par les moyens d'appel. In its judgment, the trial chamber found that dans son jugement, as deputy and la chambre then de première instance of S21, a constaté que, en tant que directeur adjoint puis directeur de S21, l'accusé a, durant plus de trois ans, dirigé et perfectionné un système qui a abouti à l'exécution d'au minimum 12 272 victimes, the majority of whom were qui, dans leur majorité, systematically ont été soumises à des actes de torture systématique. The trial chamber sentenced the accused to 35 la chambre de première years instance of imprisonment a condamné l'accusé à 35 années d'emprisonnement on convictions for the crime pour le crime against de persécution en tant que crime contre l'humanité, subsuming the crimes against crime humanity of extermination ayant en l'espèce pris les formes suivantes. Crime contre l'humanité d'extermination. Encompassing murder, cette infraction englobant celle de meurtre, imprisonment, de réduction en esclavage, torture, d'emprisonnement, including one instance de torture, of rape, dont un cas de viol, and other inhumane acts, et d'autres actes inhumains, as well as for grave breaches of the ainsi que Geneva pour violations graves des conventions de Genève de 1949, willful killing, homicide intentionnel, torture, torture and inhumane treatment, et traitements inhumains, willfully causing great suffering fait de causer or intentionnellement serious injury de grandes souffrances body or health, ou de porter gravement atteinte à l'intégrité willfully physique depriving ou à la santé, a prisoner of war or fait civilian de priver intentionnellement or the des prisonniers rights de guerre of fair ou des civils and de leur droit à un procès équitable and unlawful confinement et of a détention civilian illégale de civils. The trial chamber decided that a 5-year reduction in la chambre sentence de première instance a estimé qu'il y avait lieu de réduire de 5 ans given la durée the de la peine prescrite of the accused rights compte tenu de la violation des droits de l'accusé occasionnée detention par l'illégalité ayant entaché sa Cambodian détention sous l'autorité du tribunal militaire du Cambodge May entre le 10 mai 1999 and 30 July et le 30 juillet 2007. The trial chamber also found that the accused is entitled la chambre a également estimé que l'accusé avait droit for the entirety à ce que soit déduit de la durée de sa peine le temps qu'il avait passé en détention, that is from 10 May 1999 soit du 10 mai 1999 to 30 July 2007, and that the authority of the Cambodian military court Cambodge, and from 31 July 2007 until the date of issuance of this appeal de judgment. The trial chamber granted two reparations to the civil la chambre de première instance a accordé deux mesures de réparation aux parties civiles. The trial chamber declared in its judgment that all admitted elle a déclaré civil dans son jugement que toutes les personnes dont la demande de constitution de partie civile avait été jugée recevable avaient subi un préjudice as a direct consequence of qui était the la conséquence for directe which the accused des crimes was convicted pour lesquels l'accusé avait été condamné. And the trial chamber agreed et la chambre de première instance a accepté de procéder à une compilation de toutes les excuses et de toutes les déclarations de reconnaissance de responsabilité faites par l'accusé au cours du procès. And to post this et d'afficher cette compilation sur le site internet officiel des CETC dans les 14 jours suivant la date à laquelle le jugement devenait définitif. The Supreme Court chamber will now summarize la chambre de la Cour suprême va maintenant résumer ses conclusions of relatives appeal aux moyens d'appel. B. Personal jurisdiction. B. Compétence rationnée personnelle. Contends that the trial chamber had no personal jurisdiction l'accusé over affirme him qu'il ne relevait pas de la compétence rationnée personnelle de la chambre de première instance et qu'en conséquence, la chambre de la Cour suprême doit annuler la déclaration de culpabilité
according to et la the peine accused, qui ont été prononcées dans le jugement. Neither his operational responsibilities, ni ses responsabilités de fait, duty, ni les tâches qu'il a accomplies durant la période du Kampuchea démocratique bring him ne font de lui un haut dirigeant leader de ce régime of the Democratic Kampuchea, or one of ou l'un those des who were principaux responsables responsible des crimes the commis durant cette période. During the Democratic Kampuchea. The co-prosecutors argue that the accused appeal les co-procureurs affirment que le moyen d'appel de l'accusé portant sur la compétence rationnée personnée est irrecevable. Since his notice of appeal and appeal brief parce que son acte d'appel et son mémoire d'appel ne satisfont pas aux critères minimum requis. The co-prosecutors also submit that les co-procureurs soutiennent également comme suit. La Chambre de première instance était fondée à rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la défense untimely, du fait qu'elle était tardive. The trial chamber was right to conclude that the phrase la Chambre de première instance a justement conclu que l'expression « aux dirigeants du Kampuchea démocratique » et « principaux responsables » refers to two distinct fait référence categories of à suspects. Deux catégories distinctes de suspects. And the trial chamber was right to conclude that la Chambre de première instance a eu raison de conclure que l'accusé relevait de sa compétence rationnée personnée on the basis en of tant his que l'un des principaux responsables as one of those most des crimes responsible for the crimes commis committed durant la période du Kampuchea démocratique. Kampuchea. Civil parties group 3 responded le groupe 3 in support des parties civiles of the a répondu en soutenant les arguments des coprocureurs. The Supreme Court chamber finds that a fair trial la Chambre de la Cour suprême demands that the accused qu'un procès has équitable the right exige que l'accusé ait le droit de soulever une exception through a patent pour une incompétence manifeste lack of jurisdiction ou latente qui pourrait vicier le procès, et ce, à tout moment qu'il estime opportun pour la défense de ses intérêts. The trial chamber must entertain any and all such objections la Chambre de première instance doit trancher toute exception préjudicielle d'incompétence soulevée par un accusé, at the same time as the judgment ou plus on the merits at the latest. Quand elle rend le jugement in any sur event, le fond. The accused was convicted of a crime and therefore, quoi qu'il en soit, has the right to his l'accusé conviction a été reconnu coupable de crime et, partant, il a le droit de faire réexaminer par une juridiction supérieure law, la déclaration de culpabilité et la condamnation law, conformément à la loi. Of this right, the accused is entitled to appeal against ce droit lui confère any alleged la possibilité error de law, contester en appel toute erreur de droit that might invalidate the trial judgment or constitute a miscarriage of justice respectively, ou de fait, including the trial chamber's qui entraînerait la nullité du jugement ou toute erreur de fait qui constituerait une erreur judiciaire, y compris s'agissant des conclusions de la Chambre de première instance relatives à sa compétence rationnée personnelle. S'agissant des critères applicables aux écritures en appel, la Chambre de la Cour suprême estime que la question déterminante est celle de savoir si la manière dont un appelant a ou non plaidé sa cause permet à la partie adverse d'y répondre et à la Chambre de la Cour suprême de dégager les points litigieux et de les trancher. The Supreme Court chamber finds that the core issues arising for la Chambre de la Cour suprême considère que les éléments essentiels des questions soulevées dans le mémoire d'appel de l'accusé sont relativement faciles à identifier. And the operative passages of les the passages trial du jugement où la Chambre de première instance readily identifiable conclut and set out que l'accusé with clarity the reasoning that led it to the conclusion responsable that the accused ainsi que le raisonnement qui les sous-tendent most responsible sont clairs et aisément repérables.
On the central issue of personal jurisdiction, en ce qui concerne maintenant la question principale, celle de la compétence rationnée personnée, selon le sens ordinaire que l'on donne à l'expression aux dirigeants du Cambodge démocratique et principaux responsables dans son contexte, et compte tenu de l'objet de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et du gouvernement royal cambodgien, la Chambre de la Cour suprême conclut qu'elle fait référence à deux catégories de cadres Khmer Rouge qui ne sont pas indissociables. Which are not dichotomous. One category is senior leaders La première of Khmer catégorie Rouge est celle des hauts among dirigeants Khmer Rouge the most responsible qui font partie because a senior leader des principaux responsables des crimes, car un haut dirigeant n'est pas un suspect uniquement en raison de sa position de dirigeant. The other category is non-senior L'autre leaders catégorie of the Khmer Rouge, est celle des cadres Khmer Rouge who are also qui, among sans the faire partie des hauts dirigeants, responsible. Sont aussi parmi les principaux responsables des crimes Both commis. Categories are suspects, subject les personnes to entrant dans l'une ou l'autre de ces deux catégories constituent the des suspects passibles de poursuites pénales devant les CETC. The Supreme Court Chamber must also consider whether La Chambre de la Cour suprême doit également examiner si le fait d'interpréter l'expression « haut dirigeant du Cambodge démocratique » et « principaux responsables » comme critère juridique déterminant la compétence des CETC est compatible avec le but de l'accord entre les Nations Unies et le gouvernement royal cambodgien et dans quelle mesure une telle interprétation would lead to a manifestly absurd or unreasonable result. Ou déraisonnable. The Supreme Court Chamber finds that the personal jurisdiction la Chambre of the de la Cour suprême considère que la compétence rationnée personnelle des CETC s'étend au cadre Khmer Rouge et que la question de savoir si un accusé était ou non un cadre Khmer Rouge est une question qui doit être tranchée par la Chambre de première instance. However, the term most responsible en revanche, cannot be l'expression « principaux responsables » ne peut être considérée comme un critère juridique déterminant la compétence. Including the notion of comparative responsibility is inconsistent pour plusieurs raisons, notamment with the ECCC l'interdiction faite par la loi relative au CETC d'invoquer comme moyen de défense le fait d'avoir agi sur ordre d'un supérieur hiérarchique est incompatible and the determination avec une of whether défense an basée accused sur le fait que d'autres personnes que l'accusé sont plus responsables requires que lui. A large amount of discretion. Lorsqu'il décide si un accusé était un principal responsable, le juge dispose d'une large marge d'appréciation. C'est pourquoi la Chambre de la Cour suprême considère que la notion de principaux responsables sert de guide au coprocureur policy guide for the co-investigating judges et au co-juge d'instruction lorsqu'il décide du champ de l'instruction et des poursuites dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Regarding the term senior leaders, il ne s'agit pas d'un critère juridique déterminant la compétence. It true, il en va de même de la notion de haut dirigeant, et ce, notamment de que ce terme n'est pas précisément défini. Rather than a jurisdictional requirement. Due, among other reasons, to the flexibility in the term's definition. In the absence of bad faith or a showing of unsound professional judgment, de démonstration qu'une décision the trial chamber has no fondement. Power to review la chambre de première instance abuse ne peut examiner une allégation selon laquelle les co-juges d'instruction or co-prosecutor's discretion ont outrepassé under articles le pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré par les articles 5.3 et 6.3 de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement royal cambodgien. Regarding the scope du champ of investigations et de l'instruction. Prosecutions.
Whether an accused is a senior leader, le fait or de one savoir of those si un accusé était un haut dirigeant ou un des principaux responsables est une décision qui relève exclusivement de la compétence for which the co-investigating judges des co-juges d'instruction and co-prosecutors et des co-procureurs and not the chambers et non de celle de la chambre de première instance ou de la chambre the accused de la Cour suprême. On personal jurisdiction is par conséquent, le moyen d'appel de l'accusé relatif à la compétence rationnée personnée est rejeté dans son intégralité. C. Crimes against humanity. Crimes contre l'humanité. A. The principle of legality. A. Le principe de l'égalité. The co-prosecutors submit that the trial chamber les co-procureurs erred font valoir of law que la chambre de première instance in a commis plusieurs erreurs de droit quand elle s'est prononcée sur les accusations de crimes contre l'humanité portées à l'encontre de l'accusé en application de l'article 5 of the de la loi relative aux chambres extraordinaires. The Supreme Court chamber notes that la chambre de la Cour suprême relève in order to que pour dispense examiner with these ces grounds moyens d'appel, of appeal, it must examine the ECCC elle doit examiner d'une part la compétence rationnée matérielle over des CETC à l'égard des crimes contre l'humanité de façon générale and the trial chamber's et d'autre part of the la définition donnée par la chambre de première instance issue, aux crimes contre l'humanité sous-jacents qui sont en cause, torture, à savoir la réduction en esclavage, la torture, le viol et la persécution. The Supreme Court chamber agrees with the trial chamber la chambre that de la Cour suprême est d'accord avec la chambre de première instance pour dire qu'afin que les crimes reprochés et les modes de participation allégués relèvent de la compétence rationnée matérielle des CETC, they must be provided ils doivent for être in the ECCC explicitement law, ou implicitement prévus par la loi relative aux explicitly CETC. Or implicitly. In addition, because the ECCC plus, law was enacted cette loi ayant after été promulguée the alleged criminal conduct, les faits criminels allégués, they must be examined in light ceux-ci of the doivent principle être examinés à la lumière du principe de l'égalité, sine lege, nullum crimen sine lege, of legality. Pursuant to Article 33 new conformément of the à l'article 33 law, nouveau de la loi relative au CETC et à l'article 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, the offenses or modes of liability les crimes et les modes de participation reprochés devant les CETC must have devaient exister national law en droit interne or international law ou en droit international at the time of the au moment de la commission des faits criminels allégués occurring between 17 entre le 17 avril 1975 and et le 6 janvier 1979. Furthermore, they must have been foreseeable en outre, ils doivent avoir été prévisibles de la part de l'accusé et lui être accessibles. B. Crimes against humanity from 1975 B. Crimes contre l'humanité de 1975 à 1979. S'agissant de la question de savoir si, d'une manière générale, les crimes contre l'humanité commis de 1975 à 1979 relèvent de la compétence des CETC, la Chambre de la Cour suprême a passé en revue l'évolution de la notion de crime contre l'humanité en droit international. Depuis les premières formes prises par ce type de crime, in the 1600s and tracing post au XVIIe siècle, jusqu'à la pratique adoptée par les États et l'opinion juris à la suite de la Première Guerre mondiale puis de la Seconde Guerre mondiale. The Supreme Court chamber agrees with the trial chamber that a crime against humanity la chambre de la Cour suprême s'accorde à reconnaître avec la chambre de première instance qu'un crime contre l'humanité constituait un crime en droit international durant la période relevant de la compétence rationnée temporis des CETC.
found en outre, in the 1950, la Chambre considère Nuremberg que la définition générale des crimes contre l'humanité donnée dans les principes de Nuremberg reflète le droit international coutumier de l'époque. When examining specific grounds of appeal, the Supreme Court chamber dans will l'examen determine des moyens d'appel spécifiques, whether that la Chambre de la Cour suprême se prononcera sur le fait de savoir si cette définition était toujours retenue par le droit international de 1975 à 1979. The chamber will now proceed to address specific crimes la Chambre against humanity. Va maintenant aborder les crimes contre l'humanité reprochés en l'espèce. C. Enslavement. C. Réduction en esclavage. Turning to enslavement as a crime against concernant humanity, la réduction en esclavage en tant que crime contre the l'humanité, co-prosecutors allege that the les co-procureurs soutiennent by que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne déclarant pas l'accusé coupable de ce crime à l'égard de tous les détenus de S21. The co-prosecutors allege that the trial chamber so erred ils allèguent by requiring que la Chambre de première instance s'est trompée en exigeant un élément de travail forcé dans sa définition de la réduction en esclavage as a crime en tant que crime contre l'humanité. The Supreme Court chamber finds that the trial chamber did not la Chambre de la Cour suprême trouve as a que la Chambre de première instance n'a pas dit que le travail forcé était un élément nécessaire entrant dans la définition de la réduction instead, en esclavage. It noted that it is la Chambre de première instance a dit, au contraire, que le travail forcé ne constituait qu'une forme de réduction en esclavage. Thus, this chamber finds the co-prosecutor's assertion ainsi, in this regard la Chambre de la Cour suprême considère que l'allégation des co-procureurs merit à cet égard est dénuée de fondement. However, upon consideration of the definition of slavery cependant, under the 1926 après avoir examiné la définition de l'esclavage selon la Convention relative à l'esclavage de 1926 et au vu des poursuites contre la réduction en esclavage en tant que crime contre l'humanité ressortant de la jurisprudence de l'après-Seconde Guerre mondiale, the Supreme Court chamber finds that the trial chamber la Chambre de la Cour suprême did not articulate estime que la Chambre de première instance n'a pas exprimé avec précision la définition de la réduction en esclavage applicable en l'espèce. The definition of enslavement as a crime against humanity, la définition de la réduction en esclavage under customary en tant que crime contre l'humanité telle qu'elle existait au regard du droit international coutumier de 1975 à 1979 est la suivante. One, the exercise over persons of the powers l'exercice that sur une personne the right des attributs du droit de propriété actus reus and two, ou élément matériel to accrue some gain through deux, exercise over persons of the powers de tirer un bénéfice that de l'exercice to sur the une right personne des attributs du droit de propriété that is mens rea, soit la mens rea the ou Supreme élément Court moral. Chamber finds that this definition was both la Chambre de la Cour suprême considère que ce crime ainsi défini était à la fois prévisible de la part de l'accusé et lui était accessible. In applying this more precise definition of enslavement to the trial chamber, en application de cette définition plus précise de la réduction en esclavage aux constatations de la Chambre de la première de la Chambre de première instance concernant le traitement des détenus de S21 par l'accusé, la Chambre de la Cour suprême constate que rien ne montre que son intention de tirer un bénéfice from the totality est concernée la totalité des détenus de S21 ou que, d'une autre façon, il les ait traités commodity comme une marchandise. Consequently, the trial chamber did not err par conséquent, la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en constatant que la réduction en esclavage ne concernait que les détenus de S21 qui avaient été soumis au travail forcé. On this basis, the co-prosecutor's pour cette raison, ground of appeal la Chambre is de la Cour suprême rejette le troisième moyen d'appel des coprocureurs. D. Torture D. And rape. Torture et viol. The co-prosecutors request that the Supreme Court chamber cumulatively convict the accused à la Chambre de la Cour suprême de déclarer l'accusé coupable cumulativement de viol et de torture en tant que crime contre l'humanité. Given the lack of
support for the existence of rape as a distinct crime. Vu le manque d'éléments venant appuyer la thèse selon laquelle le viol était un crime contre l'humanité distinct durant la période relevant de la compétence des CETC, the Supreme Court chamber finds that la Chambre de la Cour suprême considère que la Chambre de première instance s'est trompée en concluant que le fait qui s'est produit à S21 pouvait être qualifié de viol en tant que crime contre l'humanité. This part of the co-prosecutor's appeal en conséquence, automatically. Cette partie de l'appel des coprocureurs ne saurait prospérer. Next, the Supreme Court chamber will determine whether the trial chamber erred in la Chambre de la Cour suprême va maintenant trancher la question de savoir si la Chambre de première instance a commis une erreur en jugeant qu'un acte de viol pouvait constituer un crime contre l'humanité de torture durant la période relevant de la compétence des CETC. The trial chamber held that, with respect to the actus reus of torture, la Chambre certain de première instance a estimé que, pour ce qui concerne l'élément matériel, actus reus, de la torture, certains actes établissent d'eux-mêmes les souffrances aiguës endurées par ceux qui les subissent. Le viol en fait partie. La Chambre de la Cour suprême est d'accord et par conséquent conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en déterminant qu'un fait de viol était une forme que pouvait prendre la torture en tant que crime contre l'humanité. S'agissant du principe de légalité, la Chambre fait observer qu'à l'époque des faits reprochés à l'accusé, it was clear that torture il était manifeste que la torture constituait une violation grave des droits humains fondamentaux. Cette large reconnaissance par la communauté des États de la gravité de la torture indique la prévisibilité de poursuites pénales à l'encontre d'une telle conduite en tant que crime contre l'humanité. Persecution. The Supreme Court chamber concludes that persecution was a recognized crime against humanity under international law as of 1975. The Supreme Court chamber agrees with the trial chamber that the mens rea requirement is the deliberate perpetration of an act or omission with the specific intent to persecute on racial, religious or political grounds. Furthermore, the chamber concludes that the majority of the trial chamber did not err in its application of the requisite mens rea for persecution in reaching the conclusion that the accused shared the requisite mens rea in this case. The Supreme Court chamber agrees with the trial chamber that the first prong of the actus reus of persecution is that it constitutes an act or omission that denies or infringes a fundamental right laid down in customary international law or treaty law. The crux of that analysis lies in the determining whether or not the act or omission, si cet acte when considered cumulatively and in context, is equal in gravity or severity le même to other underlying crimes against humanity, such that the result is a gross de telle sorte or blatant breach of fundamental rights. Manifeste ou flagrante d'un droit fondamental. The Supreme Court chamber also agrees with the second prong of the actus reus as defined by the trial chamber, namely that the persecutory act or omission must discriminate in fact
such that there are actual discriminatory consequences. Doit introduire une discrimination de fait, finally, de telle sorte the Supreme Court chamber qu'il en turns de to consider conséquences whether the trial chamber erred in its enfin, factual conclusion that va every individual detained si la at S21 was targeted on political grounds concluant and therefore was a victim of persecution. Était visée pour des raisons politiques et par conséquent était victime the trial chamber de persécution. Found that over the course of the CPK regime, que sous different groups of individuals were targeted as perceived or real political enemies and detained at S21 under various criteria established by the CPK. As the revolution wore on, however, cependant, individuals were indiscriminately apprehended, les personnes étaient appréhendées mistreated, sans distinction, and maltraitées eliminated et éliminées without any sans attempt la moindre tentative at rational de justification or coherent rationnelle ou cohérente, rather justification on political grounds. Politiques. Such actions were no longer persecution, faits, but constituted a reign of terror mais where no discernible criteria applied in targeting the victims. Ne s'appliquait pour cibler les victimes. The accused is responsible l'accusé for detention, est responsable interrogation, de la détention, torture, de l'interrogatoire, enslavement, de la torture, and execution de la réduction of a number of individuals d'un certain who were nombre not de personnes political dont enemies. Il savait qu'elles n'étaient pas des adversaires politiques. With respect to these persons, the Supreme Court chamber considers that these victims did not fall under the notion of persecution. Ne répondent pas à la notion de persécution. F. Cumulative convictions. Cumul de déclarations the co-prosecutors submit that the trial judgment in law by subsuming specific crimes against humanity under the crime of persecution instead of convicting him for all the crimes against humanity for which he was found responsible for the trial chamber. The Supreme Court chamber finds that in considering the question of cumulative convictions, the trial chamber correctly resorted la Cour to the celebrity test elaborated in ICTY and ICTR jurisprudence. La Chambre de première instance a eu raison de recourir aux critères celebici élaborés dans la jurisprudence du TPIY et du TPIR. It, however, committed an error of law in its application of the test to quand elle persecution a ce vis-à-vis à la the other crimes si against le crime de humanity. Avait pris la forme this chamber des holds contre that when analyzing cumulative convictions, selon la chambre de it la is the crime's abstract legal elements that must be ce sont les éléments juridiques rather than the factual circumstances surrounding the underlying conduct. La conduite the trial chamber improperly focused its analysis of cumulative convictions on the conduct underlying the charges sur la rather than on the les elements of legal definitions of crimes that it had found applicable. C'est la raison pour laquelle elle n'a as pas a result, déclaré it failed to enter cumulative convictions for persecution de and other de persécution crimes against et humanity de chacun des contre l'humanité for which dont the accused avait été was held responsible. The co-prosecutor's second ground of appeal is therefore granted in part le deuxième moyen and d'appel des in addition to the accused's conviction accueilli. For
persecution as a crime against humanity, separate convictions non seulement shall du crime de persécution also be entered en tant que crime contre l'humanité, for extermination, mais de encompass des crimes d'extermination, murder, le meurtre, enslavement, de réduction en esclavage, d'emprisonnement, torture, de torture and et other d'autres actes acts. Inhumains. D. Sentence. D. Peine. The defense argues that the trial chamber erred by imposing de première instance an arbitrary sentence en imposant due une to peine its failure to give arbitraire. Adequate regard to Article 95 of the 2009 Criminal Code of Cambodia, du code pénal which provides du Cambodge that de 2009, where the penalty incurred for an offense in la peine is life imprisonment, a judge la who grants the benefit of mitigating circumstances may impose a sentence of between 15 and 30 years imprisonment. The defense contends that 30 years is the maximum fixed term sentence permitted at the ECCC. The co-prosecutors responded that Article 9, rather 39 of the ECCC law contemplates any prison term from 5 years to life imprisonment and that pursuant to Article 668 of the Criminal Code, the ECCC law shall prevail over domestic criminal legislation in the event of a conflict. En cas de conflit de loi. In light of the language and content of Articles 8 and 668 of the Criminal Code, the Supreme Court Chamber agrees pénal, with the co-prosecutors that the ECCC law is special criminal legislation within the meaning of Article 668 subparagraph 3. Hence, the provisions of Book 1, General Provisions, partant, of the Criminal Code do not prevail over any provisions of the ECCC law in the event de la loi of a conflict between the Criminal Code of the ECCC law et la loi relative au CETC. Accordingly, the range of sentence ainsi, at the ECCC CETC, may be anywhere from 5 years imprisonment to life imprisonment as provided by Article 39 of the ECCC law. For these reasons, the defense motifs, second ground of appeal on sentence la chambre de la Cour suprême is rejette dismissed. Le deuxième moyen d'appel de la défense relatif the à la co-prosecutors peine. Argue that the trial les co-procureurs erred in font valoir que la chambre sentence de première instance a commis une lenient erreur en prononçant une peine trop clémente. According to the trial chamber's descriptions, d'après l'exposé two de la chambre of the four de première instance, mitigating deux factors des quatre circonstances atténuantes n'avaient un effet limité only, and et la the portée de la troisième was amoindrie et avait and un poids limité. Diminished. However, further on, cependant, in its judgment, the trial chamber, jugement, without explanation, la chambre described de première instance the four mitigating a, factors explication, as significant. Dit que l'accusation pouvait se prévaloir de quatre circonstances atténuantes importantes. Notwithstanding the broad discretion vested with the trial chamber malgré le in determining the weight of mitigating factors, the Supreme Court chamber finds that le poids the effect that mitigating factors had on the trial chambre chamber's de la determination of la chambre the sentence de constituted a commis an error une of law. De droit en déterminant the Supreme Court chamber holds that the mitigating impact of these factors la chambre is de la Cour limited suprême estime at que most. L'effet atténuant de ces circonstances further, est limité au rather, the aggravating elements outre, and exceptional gravity of crimes neutralize et la gravité exceptionnelle the limited impact of these mitigating coupable, factors. Annule les effets
de ces circonstances atténuantes. The limited weight of mitigating factors in the present case is sufficient to overturn le the trial chamber's findings made without reference to any legal authority that the significant mitigating factors mandate a finite sentence. Selon laquelle the les trial chamber has failed to discuss and therefore presumably did not attach any weight to relevant Cambodian and international law which permits life imprisonment, notwithstanding mitigating factors. Prévoyant la réclusion à perpétuité, malgré the Supreme Court chamber therefore holds et that partant, the trial chamber attached undue weight to mitigating circumstances de la Cour and insufficient weight to gravity of crimes and aggravating circumstances. These failures of the trial chamber constitute an error aggravante. On a question of law and validating the sentence in the trial judgment. The intervention of the Supreme Court chamber is required to determine an appropriate sentence et de déterminer la peine appropriée. The co-prosecutor's first ground of appeal is therefore granted. La chambre de la Cour suprême fait donc droit au premier moyen d'appel du co-procureur. In the absence of comparable jurisprudence before Cambodian domestic courts, the Supreme Court chamber has examined sentences of other international criminal tribunals addressing similar or comparable facts and issues. It is well established in international jurisprudence that the primary factor in sentencing is the gravity of the convicted person's crimes. The Supreme Court chamber further observes that ad hoc tribunals have issued sentences of life imprisonment mostly in cases in which the accused abused a position of leadership by planning or ordering the alleged crimes, as well as cases in which the convicted person exhibited particular cruelty or zeal in the commission of the crimes. In determining the appropriate sentence, the Supreme Court chamber will therefore consider the gravity of the crimes, as well as any aggravating factors, such as the leadership of Kaing Guek Eav and the particularly cruel or zealous commission of his crimes. In the present case, the trial chamber determined that the crimes of Kaing Guek Eav were of a particularly shocking and heinous character, based on the number of people who were proven to have been killed, at least 12,272 victims, as well as the systematic torture and deplorable ainsi que de la torture of the detention et des conditions de détention déplorables qu'elles avaient subies. The high number of deaths for which Kaing Guek Eav is responsible, along with the extended period of time over which the crimes were committed, more than 3 years, undoubtedly place this case among the grey west before international criminal tribunals. Parmi les plus graves ayant été portés devant les juridictions internationales. Kaing Guek Eav held a central leadership role s'agissant at des circonstances S21, aggravantes, which he Kaing abused Guek Eav by training, a eu un rôle de dirigeant ordering central à S21, and supervising staff et il a in abusé the de son systematic autorité torture and execution of prisoners ses subordonnés deemed pour la torture to be enemies systématique of this et l'exécution decay, de prisonniers and showed être des adversaires dedication to refining the operations of S21. Et il n'a cessé de s'employer à améliorer l'efficacité that he was not de on the centre. Top of the command change le fait
Rather, the command chain in the DK regime does not justify a lighter sentence. Indeed, there is no rule that dictates reserving the highest penalty for perpetrators at the top of the chain of command. Aux personnes les plus haut placées dans la chaîne de commandement. Kaing Guek Eav's sentence must be proportionate la to the crimes he committed, regardless of whether others may have committed more serious offenses. Sans qu'il faille tenir compte du fait que des dirigeants plus haut placés auraient commis des infractions plus graves. In the Supreme Court Chamber's view, Kaing Guek Eav's leadership role, and particularly enthusiasm in the commission of his crimes, are aggravating factors that should be given significant weight in the determination of this or his sentence. The Supreme Court Chamber is of the view that retributive and deterrent purposes of punishment are particularly relevant to this case in light of the gravity of Kaing Guek Eav's crimes. The penalty must be sufficiently harsh to respond to the crimes committed and prevent the recurrence of similar crimes. The crimes committed by Kaing Guek Eav were undoubtedly among the worst in recorded human history. They deserve the highest penalty available to provide a fair and adequate response to the outrage. Afin de répondre de façon juste et appropriée à la violence imposée aux victimes, their families, à leurs familles and relatives, et à leurs proches, the Cambodian people, au peuple cambodgien et à tous les êtres humains. The co-prosecutors did not exaggerate when they referred to S21 as the factory of death. Kaing Guek Eav commanded and operated this factory of death for more than 3 years. He is responsible for the merciless termination of at least 12,272 individuals, including women and children. The lapse of more than 30 years since the commission of crimes does not weaken the necessity for a high punishment. La nécessité d'une the sufferings of victims and their families de leurs familles et de leurs parents n'appartiennent pas au passé, but are continuing and will continue throughout et their lives. Ressentis pendant toute leur vie. Kaing Guek Eav's crimes were an affront to all of humanity, and in particular to the Cambodian people, inflicting incurable pain on à qui them. Ils ont infligé des maux incurables. The Cambodian people are still faced with unprecedented challenges in recovering from the tragedies caused by the crimes committed by Kaing Guek Eav. For these reasons, the Supreme Court Chamber holds that the sentence of 35 years of imprisonment by the trial chamber does not appropriately reflect the gravity of crimes and the individual circumstances of Kaing Guek Eav. The trial chamber erred. La chambre de première instance a commis une erreur in imposing a manifestly inadequate sentence. The Supreme Court Chamber decides to impose a sentence of life imprisonment against Kaing Guek Eav. On parole, it is distinctive procedure in the stage
of execution la of a sentence of imprisonment. Est l'objet d'une procédure the Supreme Court chamber holds lors de l'exécution that d'une the lack of special provisions on parole la chambre in de la the Cour ECCC statutory documents indicates la libération conditionnelle that the issue should les instruments be decided according CTC to procedures in force devra être at the time when parole is to be considered. Au moment de the Supreme Court chamber de la therefore holds that it does not have competence to decide a priori on Kaing Guek Eav's eligibility pour for parole. Sur le droit de Kaing Guek Eav the trial chamber a held that the combination of a reduction of 5 years and credit la for time spent in detention under the authority of the Cambodian Military Court la durée is de la an appropriate remedy for the violation of Kaing Guek Eav's rights occasioned by his illegal detention by the Cambodian Military Court between the 10th of May 1999 and 30th July 2007. The Supreme Court chamber finds that the la trial chamber misinterpreted the relevant international jurisprudence to mean that violations of Kaing Guek Eav's rights should be redressed by it, even in the absence of violations of violations de attributed, imputable rather attributable to the ECCC and in the absence of abuse of process. In the absence of both ces these circumstances, the trial chamber, réunie, la chambre de première instance aurait dû should rejeter la demande have rejected Kaing Guek Eav's request de for remedy présenté par Kaing Guek Eav. For these reasons, the Supreme Court chamber pour ces raisons la Judges de la Cour Klonovichka Milat and Jaya Singe dissenting hold that this is not a case in which the ECCC should provide a remedy for violations of Kaing Guek Eav's rights. Ne doivent pas accorder de mesures the de Supreme Court Chamber pour les violations Judges de Kaing Guek Eav. Klonovichka Milat and Jaya Singe dissenting holds that the la trial chamber committed an error of law invalidating the sentence by affording a reduction of 5 years and credit for the time served in detention from 10th of May 1999 to the 30th of July 2007 as remedy for the violation of Kaing Guek Eav's rights. Judges une erreur de droit qui Klonovichka Milat and Jaya Singe disagree with the majority's decision not to grant Kaing Guek Eav a remedy for the following reasons. Sont en désaccord avec la décision de la majorité de la Chambre de ne pas accorder de mesures de réparation à Kaing Guek Eav pour les raisons a hybrid court such as the ECCC should, where it is fair and equitable in all the circumstances, take responsibility for excessive domestic pretrial detention. In this case, these circumstances include the following. First, as chambers established within the existing court structure of Cambodia, the ECCC is highly integrated into the Cambodian judicial system. Second, there is a strong nexus between the case against Kaing Guek Eav at the ECCC and the charges before the military court.
In that regard, judges Klonowicka Milat and Chayasinghe note that the Cambodian court held Kaing Guek Eav for 8 years, during which time it performed no substantial investigation. Font observer que cette it then transferred him to the ECCC soon after it was established by the Cambodian state. Third, the gravity of the deprivation of liberty was extreme by international standards. A ensuite transféré l'accusé peu après this que court les is uniquely positioned to grant a remedy of a restorative en nature. Troisième lieu, la gravité de la privation accordingly, de liberté a été judges extrême au regard des normes Klonowicka Milat and Chayasinghe would grant Kaing Guek Eav a remedy by commuting the life sentence to a fixed term of 30 years imprisonment. Une mesure de réparation the trial chamber held that Kaing Guek Eav is entitled to credit for the entirety of his crime, rather his time spent in detention, which was la under the authority of the Cambodian Military Court from the 10th of May 1999 to the 30th of July 2007, and under the authority of the ECCC from the 31st of July 2007 until the trial judgment becomes final. Du jugement définitif. According to the trial chamber, selon while the la first period was instance, granted as part of the remedy alors, for a legal detention, était the second period en tant que was partie derived de la de as a right pour détention from légale, Article 503 of the 2007 Code of Criminal Procedure of Cambodia, de 2007. Whereas the credit for the second period si la déduction concernant la seconde période n'est pas controversée is not in dispute. The Supreme Court chamber finds that de la Cour suprême discussion considère is qu'il required d'examiner with celle respect concernant to credit la première for période. The first period. The Supreme Court chamber concurs with the trial chamber's finding that the allegations in the case before the military court were broadly similar to those given rise to the proceedings before the ECCC. In light of Cambodian and international law and practice, the Supreme Court chamber unanimously holds that Kaing Guek Eav is entitled to credit for the entirety of his time spent in detention, beginning from the 10th of May 1999. The Supreme Court chamber decides to apply such credit against Kaing Guek Eav's sentence of life imprisonment by finding that Kaing Guek Eav has served 12 years and 269 days of such sentence, being the amount of time that he spent in pretrial detention from the 10th of May 1999 to the 2nd of February 2012 inclusive. Admissibility of civil party applications. The total of 22 civil party applicants in civil parties groups total, 1, 2, and 3 appealed against the trial chamber's rejection of their civil party applications in the trial judgment. De leur the constitution civil party de appellants avert that the trial chamber selon les parties civiles appelantes, la chambre a exigé de manière arbitraire que les victimes indirectes démontrent l'existence d'un lien d'affection ou de dépendance particulière avec une victime directe pour être reçue en leur constitution de partie civile. From indirect victims.
The Supreme Court chamber finds that the criterion of special bonds of affection conclut que le critère de lien d'affection ou de dépendance particulier entre un demandeur et la victime directe touche à la nature des relations interpersonnelles, the destruction of which is conducive to an injury est de nature à causer un préjudice aux victimes indirectes. This criterion applies to all persons who claim to be indirect victims, à toutes les personnes whether qui font valoir qu'elles sont victimes indirectes, appartenant à la famille because ou non, prior bonds, parce qu'en l'absence d'un lien antérieur, qu'il soit affectif, physique ou économique, or economically to the direct unissant victim, le demandeur à la victime directe, no injury aucun préjudice n'aurait pu them être causé from the par la commission, commission of the crime. While the term as such may have been introduced for the first time in the trial judgment, s'il est vrai que l'expression en tant que telle a été introduite pour la première fois dans le jugement, the criterion or le critère which it denotes is inherent est to the notion of injury à la notion de préjudice au centre de l'article 13 of the 2007 du Code Court de procédure pénale de 2007 tel qu'applicable aux victimes, victims indirectes. Therefore, the use of this requirement was legally correct par conséquent, foreseeable, l'utilisation de ce critère était juridiquement correct et prévisible pour toutes les parties civiles appelantes. For all civil party applicants. Accordingly, the civil parties' appeals en conséquence, le moyen d'appel des parties civiles doit être rejeté of law pour autant qu'elles allèguent une erreur de droit ou l'absence de prévisibilité. The Supreme Court chamber notes that bonds of affection la Chambre de la Cour suprême fait observer que les liens d'affection et de dépendance relient généralement les membres proches d'une famille. Therefore, the forced disappearance, imprisonment, il est donc fort probable torture, que la disparition forcée, murder la torture of a family member, et finalement le meurtre d'un membre d'une famille will likely bring about suffering, provoquera anguish, de la souffrance, and other kinds de l'angoisse of injury, ou d'autres formes de préjudice such as financial comme damage des dommages financiers to the victim's close family members, aux parents proches de la victime. This conclusion is substantiated by the evidence collected in this case. Cette conclusion sense est étayée par les éléments de preuve réunis en l'espèce, le bon sens et les constatations fondées sur des éléments de preuve réunis dans le cadre de l'application de la Convention américaine des droits de l'homme et la pratique de la Cour pénale internationale. It is not incorrect or unreasonable to relieve en conséquence, the class of il n'est ni incorrect ni déraisonnable de ne pas exiger des membres de la famille proche qu'ils établissent la preuve d'un préjudice. Pour autant que cette catégorie de personnes ait été définie précisément et que les parties en aient été informées. Concerning the scope of the presumption of injury, it would be reasonable to define it by taking into account the nature of the injury. Il serait raisonnable de la définir en prenant en compte la nature du préjudice allégué dans le contexte des liens familiaux au Cambodge. In this respect, an expert retained by the trial chamber. Un expert nommé par la Chambre de première instance a déclaré en audience qu'au Cambodge, les individus ont tendance à vivre aux côtés des membres de leur famille, de telle sorte que les liens noués sont généralement étroits. Families encompass not just couples and their les familles comprennent non pas seulement un couple et ses enfants, mais également d'autres membres de la famille, comme leurs parents âgés, siblings and their families, leurs frères et sœurs et leurs familles, cousins, ou des grands-parents, des cousins, des oncles et des tantes. In most circumstances, the older generation dans la plupart des cas, les personnes âgées personnifient le modèle de vie des jeunes générations, thus generating a very special ce qui crée and close des liens bond très particuliers
est très étroit. The trial chamber accepted this broad notion of la chambre de première instance a reconnu members, la valeur de cette notion large de membres de facto but nonetheless, de la famille proche. Later found that only mais n'en a pas moins ensuite conclu que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'il sera considéré que des liens d'affection ou de dépendance particuliers ont uni des membres de la famille élargie victim. Et la victime directe. Whereas this conclusion defines the scope of presumption more narrowly bien que cette conclusion restreigne la portée de la présomption au-delà de ce qui aurait été justifié au vu de la déposition de l'expert, it does not infringe on the rights avec laquelle of the la chambre de première instance s'était dit d'accord, elle ne porte pas atteinte aux droits des parties civiles appelantes because the formulation of a presumption la formulation d'une présomption relève du pouvoir discrétionnaire and not de la chambre de première instance right to benefit et non from des droits it. Des parties. Similarly, the appellant's rights were not affected by de même, the lack of prior notice. Le fait qu'il n'ait pas été notifié au préalable n'a pas porté atteinte aux droits des appellants. The burden of étant donné qu'en tout état de cause, il revient aux parties civiles d'apporter la preuve qu'elles ont subi un préjudice. Par conséquent, the trial chamber la chambre de la Cour suprême va maintenant examiner si la chambre de première instance a commis une erreur de fait quand elle a tranché au fond la recevabilité des demandes de constitution de partie civile ayant fait l'objet d'appel. Concerning the averment that the trial chamber erred in adopting s'agissant a de l'affirmation selon laquelle la chambre de première instance a eu tort d'adopter un critère à deux volets pour trancher la recevabilité des demandes de constitution de partie civile, the Supreme Court la chambre chamber de la Cour suprême that rappel internal rule 100 subrule 1 que la règle 100 reflects article 355 of the reprend les termes de l'article 355 du code de procédure pénale de 2007 qui sont sans in ambiguïté the criminal judgment, the court dans of le même jugement le tribunal statue sur les intérêts civils civil remedies. The court shall determine the admissibility of the la recevabilité de la constitution de partie civile and also decide on the claims of the civil party se prononce against the sur les demandes de la partie civile civil tant à l'égard defendants. De l'accusé que du civilement responsable. The Supreme Court chamber therefore finds that the par conséquent, chamber had a lawful la chambre de la Cour suprême conclut que la chambre de première instance a trouvé dans la procédure pénale cambodgienne le fondement juridique lui permettant de trancher dans le jugement sur la recevabilité des demandes de constitution de partie civile. The Supreme Court chamber holds that the clarity of article 355 la chambre de la Cour suprême considère que les termes sans équivoque de l'article 355 du code de procédure pénale de 2007 for notice et de la règle 100, paragraphe 1, du règlement intérieur ont suffisamment informé les parties civiles appelantes que leur demande serait réévaluée dans le jugement. Moreover, the trial chamber did provide ample signals en outre, la chambre de première instance a fourni de nombreuses indications durant l'audience initiale et le procès que son évaluation initiale prima facie à première vue of civil party de la recevabilité des demandes de constitution de partie civile n'était pas final. Définitive. Accordingly, the Supreme Court chamber holds en conséquence, that la chambre de la Cour suprême did considère not an que error la chambre of de première law, instance n'a pas commis d'erreur de droit. By evaluating whether au stade de l'examen des réparations had been sufficiently si demonstrated la qualité de victime at the avait été démontrée comme il convient. The Supreme Court chamber further finds that
whatever ambiguity could have existed as to the civil party's standing dans laquelle at the on puisse trouver les parties civiles quant à leur qualité de partie civile au début du procès. For the civil parties, cela n'a en rien empêché les parties civiles appelantes de participer proceedings. À la procédure. Notwithstanding a lack of legal error on the part of the trial chamber, même en l'absence d'une erreur de droit de la part de la chambre de première instance, la chambre de la Cour suprême relève néanmoins qu'il semble y avoir eu un profond malentendu entre la chambre de première instance et les parties civiles appelantes pour ce qui est du bien fondé et des conséquences juridiques de l'examen initial de leur demande de constitution de partie civile. La chambre de la Cour suprême reconnaît également que la procédure de constitution de partie civile et le refus final d'accorder aux appelants le statut de partie civile ont pu être une source d'anxiété et de frustration en raison de l'inutilité des efforts concrets et émotionnels qu'ils avaient investis dans les débats. Having regard to the novel character of the civil party framework compte tenu de la nouveauté de la participation des parties civiles devant les CETC et semble-t-il du manque de clarté quant aux dispositions above, spécifiques à leur égard, the comme cela a été vu plus haut, la Chambre de la Cour suprême admet que certaines parties civiles appelantes ont pu may have been ne pas savoir as to whether si on attendait d'elles qu'elles présentent was ou non de nouveaux éléments them. De preuve. Therefore, in order to remedy any missed opportunity, par conséquent, afin de remédier à toute opportunité manquée, la Chambre de la Cour suprême a décidé de faire droit aux demandes de des parties civiles appelantes visant à présenter des éléments de preuve supplémentaires, irrespective of whether such evidence sans considérer would have been le fait de savoir si de tels éléments auraient déjà été disponibles en première instance. The Supreme Court Chamber finds that in addition to those la Chambre de la Cour suprême considère que les parties civiles appelantes dont le nom suit ont fourni les éléments nécessaires à l'appui de leur demande en appel et sont donc reçus en leur constitution on de partie civile dans le dossier numéro 001 in case 001. They are Lee Ho, alias He Ho, alias Ye Ho, Mom, James Jeffrey Rothschild Joshua, James Jeffrey Chai Khan, alias Liang Khan, Chai Khan, Hong alias Savat, Liang Khan, Phuk Hong Savat, Mon Sutir, Mon Sutir, Chong Sita, et Nam Mon. The Supreme Court Chamber rejects the remainder la Chambre de la of the Cour suprême juge les demandes de constitution de partie civile des autres appelants irrecevables. Regarding the appeal by civil party Mr. Chum Sirat, s'agissant de l'appel interjeté par la partie civile Chum Sirat, the omission la Chambre de la Cour suprême Ms. considère and her que child l'omission from the list de of Kem Sovanari et de son enfant de la liste judgment, des victimes dans le jugement amounts to a clerical error. D'une erreur typographique. The Supreme Court Chamber therefore la Chambre de la Cour suprême corrige donc cette erreur to include Ms. Kem Sovanari and Kem her child's name et de son enfant in the trial judgment. Dans le jugement. F. Civil party reparations. Réparation civile. The trial chamber ruled on the reparation request. La Chambre de première instance s'est prononcée sur les demandes de réparation et a décidé d'inclure le nom des parties civiles dans le jugement et de procéder à la compilation et à la diffusion de toutes les excuses et de toutes les déclarations de reconnaissance de culpabilité faites par Kaing Guek Eav au cours du procès. All other civil party claims for reparations toutes les autres demandes de réparation ont été rejetées au motif
qu'elle n'était pas suffisamment précise ou qu'elle n'entrait pas dans la catégorie de mesures que les CETC pouvaient accorder. Even though civil parties group 1 has not lodged an appeal Même against the Crown Chamber's findings on reparations, it requests that in the event that the grounds of appeal on reparations has put forward by civil parties groups 2 and 3 parties civiles appelantes and relatives aux réparations, les parties civiles du groupe 1 des parties civiles bénéficient deriving from any reparations that are awarded by the Supreme Court Chamber accordées par la be Chambre extended de la Cour suprême also to the civil parties, aux parties civiles in civil parties des groupes 2 et 3. Civil party group 2 articulates extensive submissions on reparations développe des arguments complexes sur les réparations et demande à la Chambre de la Cour suprême d'annuler le rejet de 9 de ces demandes de réparation and consequently grant these claims à in their entirety. Dans leur intégralité. Civil parties group 3 also requests Le groupe the Supreme Court 3 chamber des parties civiles to grant demande the civil également parties à la Chambre original de la claims de faire droit aux demandes de réparation the trial que les parties civiles avaient présentées en première instance in the trial et que la Chambre de première instance avait rejetées dans le jugement. At the outset, the Supreme Court chamber will outline the legal framework related à titre liminaire, la Chambre de la Cour suprême exposera le cadre juridique relatif aux mesures de réparation devant les CETC. While the civil party appellants relied on a variety of international legal authorities, les parties civiles appellantes se fondent sur de nombreuses sources de droit international pour plaider une approche plus flexible sur la question des réparations, this chamber mais la Chambre souligne que les CETC font partie intégrante d'un système juridique unique et qu'il est difficile de tirer des leçons et de se servir d'analogies provenant de cadres différents. Whereas it is correct that Cambodia is a state party to several of the international instruments à de nombreuses conventions internationales qui consacrent le droit des victimes à obtenir réparation, il ne relève pas de la compétence des CETC d'examiner si le Cambodge respecte ses obligations internationales. The Supreme Court Chamber also holds that it has no jurisdiction to grant requests for reparation. Estime également qu'elle n'est pas compétente pour faire droit à des demandes dont la réalisation implique de manière explicite ou de manière nécessairement implicite que l'État cambodgien s'applique activement. It also lacks Faire exécuter des mesures de réparation ne relève pas non plus de sa compétence. Reparation awards. Therefore, while the ECCC is competent to grant reparations, Par conséquent, même s'il relève de la compétence des CETC d'accorder des réparations, cette compétence doit In être interprétée au regard de leur mandat limité. Selon la règle 23 du règlement intérieur, les réparations doivent être collectives et morales. Le mot « moral » signifie que le but consiste à réparer le préjudice moral, non le préjudice matériel. Et le mot « collectif » exclut les réparations individuelles, qu'elles soient ou non de nature financière. Privileges those measures that benefit as Et montre many victims que la préférence doit aller aux mesures possible. Qui bénéficieront au plus grand nombre possible de victimes. Another key feature of the ECCC system of reparations is that Une autre caractéristique essentielle du système de réparation devant les CETC est que c'est à la personne condamnée seule qu'il revient d'assumer le poids des mesures de réparation. La personne condamnée en l'espèce a été déclarée indigente. Il est essentiel de n'accorder que des réparations
dont on peut raisonnablement penser qu'elles seront mises en œuvre afin d'éviter de prononcer des décisions qui, selon toute probabilité, ne seront jamais exécutées. And would be confusing and frustrating for the victims. Serait source de confusion et de frustration. The chamber will refrain from granting requests that would necessitate the financial means of Kaing Guek Eav aux demandes dont la mise en œuvre supposerait l'utilisation des ressources financières de Kaing Guek Eav. The chamber finds that a number of the claims are predestined for rejection. La chambre conclut qu'un certain nombre des demandes sont vouées à être rejetées parce qu'y faire droit reviendrait à prononcer une décision contre l'État cambodgien. This is the case, for instance, of the request for ce serait state le cas, apology, par exemple, des demandes visant à ce que l'État présente des excuses, organization of healthcare, la mise en œuvre de services de soins, institution of national l'institution commemoration de journée day, nationale du souvenir, and naming of public buildings ou la décision after the victims. De donner à des bâtiments publics le nom des other victimes. Parts of the claims are dismissed because d'autres of aspects the lack des demandes of financial sont rejetés en raison to ensure de l'absence their implementation. De ressources financières permettant de garantir leur mise en œuvre. This is the case, for example, of the request for construction of memorials c'est le cas, and par exemple, paid visit des demandes de construction de lieux dédiés aux souvenirs size. Et de la visite payante de ces lieux. The request for the court to order Kaing Guek Eav to write letters to the government visant à ce que la chambre ordonne à Kaing Guek Eav d'écrire des lettres au gouvernement sont rejetées parce que la chambre ne peut en imposer l'exécution. As for the request related to the dissemination of materials s'agissant des demandes de diffusion des documents relatifs à la procédure devant les CETC, the chamber notes that la chambre fait observer they fall que ce domaine relève du mandat de la section des relations avec le public and et the de la section d'appui aux victimes. Sections. G. Disposition. G. The dispositif. Chamber will now read the disposition la chambre of the de la Cour suprême judgment. Va maintenant lire le dispositif de l'arrêt. The disposition, which is le dispositif full and final, has qui been est signed complet by the et définitif of the Supreme Court a été signé par les juges de la Chambre de la Cour suprême in this summary. Et a été inséré dans le présent résumé. Mr. Kaing Guek Eav, Monsieur Kaing Guek Eav, stands in order to listen to veuillez the vous lever disposition. Pour entendre le dispositif. Disposition. Dispositif. For the foregoing reasons, par the Supreme Court Chamber, la Chambre de la Cour suprême, pursuant to Article 4.1b, en application de l'article 4.1b, and 36 new de l'article of the ECC law, and articles 14 new 1b, de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement royal cambodgien, des articles 14 nouveaux 1b et 36 nouveaux de la loi relative au CETC. Et de la règle 111 du règlement intérieur. Vu les écritures des parties hearing, et leurs exposés au procès en appel du 28 au 30 mars 2011, 28 to 30 March 2011 in respect of Kaing Guek Eav's appeal, de l'appel de Kaing Guek Eav dismisses the defense appeal. L'appel de la défense. In respect of the co-prosecutor's appeal, s'agissant de l'appel des co-procureurs, in part, accueille and partiellement in part, et rejette the partiellement ground of le appeal deuxième to, moyen d'appel des co-procureurs and causes the trial chamber's decision to subsume under the crime la décision par laquelle la chambre de première instance a dit que le crime contre l'humanité de persécution a pris la forme des autres crimes contre l'humanité dont elle a reconnu it found Kaing Guek Eav responsible. Affirms confirme Kaing Guek Eav's conviction la déclaration de for culpabilité the crime against Kaing humanity Guek Eav of persecution pour crime contre l'humanité de persécution and
enters additional convictions for the crimes against humanity of extermination, des crimes contre l'humanité, d'extermination, enslavement, cette infraction englobant celle de meurtre, torture, de réduction en esclavage, and other d'emprisonnement, acts, de torture, grants, et d'autres actes inhumains, accueille le premier moyen d'appel des coprocureurs, the trial chamber's decision, annule to sentence Kaing Guek Eav la peine de 35 années d'emprisonnement 35 years infligée of à Kaing Guek Eav par la chambre de première instance. The trial chamber's decision annule to grant a remedy la décision par laquelle la chambre de première instance of Kaing Guek a dit qu'à titre de réparation pour la violation des droits de l'accusé du fait de l'illégalité de sa détention sous l'autorité du tribunal militaire du Cambodge between 10 May 1999 and 30 July 2007, le 30 juillet 2007, enters a sentence of life imprisonment de 5 ans, and finds that Kaing Guek Eav has served condamne 12 years Kaing Guek Eav and une peine de réclusion 269 à perpétuité days of such que Kaing Guek sentence a purgé 12 ans et 269 jours de cette peine. Dismisses the co-prosecutor's ground rejette of appeal 3. Le troisième moyen d'appel des coprocureurs. In respect of civil parties groups 1, 2 and 3's appeal. S'agissant des appels des groupes 1, 2 et 3 des parties civiles. And dismisses in part partiellement the civil parties grounds of appeal on admissibility of their civil party applications à la recevabilité de leur demande de constitution de and parties declares that et dit in addition que to those civil parties admitted by the trial chamber in the trial judgment, the following civil parties appellants have demonstrated on appeal that they have suffered harm as a direct consequence of the crimes for which Kaing Guek Eav has been des crimes convicted pour lesquels Kaing Guek Eav a été condamné. They are Lee Ho, Lee Ho, alias E. Ho, alias E. Ho, Himmom, Himmom, James Jeffrey, James Jeffrey, Rothschild Joshua, Rothschild Joshua, Chai Khon, alias Liang Khon, alias Liang Khon, Hong Savat, Hong Savat, Puk Khon, Mon Sotir, Mon Sotir, Chom Sita, Nam Mon, and rejects the remainder et of the civil parties' apparent applications les demandes de constitution de parties civiles présentées par les autres parties civiles appelantes. Samraj. Dismisses the civil parties' grounds of appeal on reparations and affirms the trial chamber's decision to compile and la décision de la chambre de première instance de procéder à la compilation de toutes les excuses website, et de toutes les déclarations de reconnaissance de responsabilité faites par Kaing Guek Eav au cours du procès, y compris en appel, during the course of the trial, including the et d'afficher appeal stage, cette compilation sur le site internet officiel des CETC the trial chamber's et rejection confirme of all other la décision de la chambre de première instance for de rejeter toutes les autres demandes de réparation pursuant to présentées rules par les parties civiles 111 subparagraph 5 and 113 subparagraphs 1 and 3 orders that Kaing Guek Eav remain in the custody of the ECCC pending the finalization of arrangements for his transfer in accordance with the law to the prison in which his sentence will be continued to be served. Then in Khmer and English. Fait en Khmer et en anglais. This was the summary of the appeal judgment and c'était le résumé full de l'arrêt and final disposition. Dans lequel est inséré le dispositif the complet et définitif. Appeal proceedings in this case have come la procédure to en appel an dans end. Le dossier numéro 1 est arrivé à son terme. Security personnel are now instructed to take the convicted person Kaing Guek Eav to the detention facility. Retourne au centre de détention. Bah, the hearing is adjourned.
Greffier, all rise. Veuillez vous lever.